On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. On va parler, entre autres, du prolongement de l'autoroute 35 et aussi de la contribution attendue du gouvernement fédéral. Mais d'abord, c'est une entreprise de chez nous qui va demeurer dans la famille, famille Étier, dans la famille Joannaise, avec des projets de développement incroyables. Bref, on parle de l'avenir de Maison Étier. Quand on parle d'économie locale et régionale, il y a évidemment de ces entreprises, entreprises familiales, oui, entre autres, mais qui connaît ou a connu ou va connaître encore beaucoup d'ampleur dans le marché. Et c'est le cas de la Maison Étier qui a changé de main, mais en même temps, c'est une transition en douceur. Avec nous, l'un de ses représentants, l'un de ses copropriétaires, Sylvain Bonneau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Transition un peu en douceur parce que c'est très drôle. Au cours de l'automne, j'étais dans un événement au Collège militaire où j'ai croisé Michel Étier, oui, que je connais de longue date. Et je dis, bon, Michel, comment ça va? Il dit, j'ai vendu aujourd'hui. Il dit, pardon? Il dit, oui. Il dit, moi et mon frère, tout ça. Mais là, il dit, il y a un autre frère. Puis là, il dit, Sylvain, là-dedans, il m'explique tout ça. Ouais. Il dit, oui. Il dit, bon, il dit, ça reste dans la famille. Puis bon, tout ça. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a mené à cette transaction-là, d'avoir, dans le fond, une relève, peut-être, oui, un peu plus jeune, mm-hmm, qui désire, dans le fond, porter le flambeau et l'amener encore plus loin. Oui. Bien, on a commencé, ça faisait déjà 25 ans que François Étier et moi, oui, on était à l'emploi chez Maison Étier. On a vu son évolution dans les dernières 25 années. Le marché a beaucoup, beaucoup changé. On était tous les deux arrivés à la quarantaine, puis on s'est dit on voudrait prendre notre place là-dedans aussi. On a commencé à en parler, il y a des projets de relève qui ont été établis. Le processus a été assez long quand même, assez long. La relève, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Ça se fait pas toujours en douceur, ouais, dans, où on voudrait que ça aille tout le temps sur les deux côtés. Mais quand c'est fini bien, tout le monde est heureux. On a décidé de continuer ça, nous, parce qu'on voyait encore le commerce de détail évoluer et avoir du succès. Plusieurs questions qui se posent avec le web, avec les transactions sur le web. Puis nous, on avait une formule, on avait des idées où on disait les sens de l'être humain ne sont pas tous utilisés sur le web. On voit les choses, on ne peut pas les toucher. Comment se porte cette industrie-là? Parce que nous, on la regarde aller vu de l'extérieur, du, ouais, consommateur. Puis c'est drôle parce que le premier réflexe, j'ai dit à Michel, je lui dis, ouais, mais est-ce que vous avez tenté de vendre à Brouet Martineau, à, ouais, Léon et tout ça? Il dit, oui et non. Tu sais, oui, c'est des opportunités que tu peux regarder, mais il dit, c'est peut-être pas nécessairement si avantageux pour eux de le faire, ouais, d'autant que l'entreprise, que l'industrie, comme tu le dis, s'en va ailleurs, là. Oui. Bien, c'est déjà, Maison Étier étant déjà un gros joueur. C'est ça. Pour n'importe, ouais, qui, c'est un gros morceau à acquérir. On a quand même une distribution qui est faite sur la rive sud. Il nous restait la rive nord à aller chercher, mais le marché n'est pas en pleine explosion. Il est plutôt en implosion présentement. Il y a plusieurs de mes collègues, mes confrères, mes compétiteurs qui sont en train de fermer leurs magasins. Oui. Pas nécessairement parce qu'ils font faillite, tout simplement les fermer, ils ne voient pas l'avenir. Ils voient des Américains arriver, ils voient des Ontariens arriver, venir prendre leur place ici au Québec. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui s'en vont vers l'ouest. Mais il y a beaucoup d'Ontariens qui s'en viennent déjà ici, beaucoup d'Américains aussi qui viennent s'implanter. Mais est-ce qu'il faut être un peu téméraire pour prendre cette relève-là dans cette industrie? Ouais. Je regarde un autre exemple, il y a quelques années, bon, Riel qui a fermé ici à Saint-Jean. Là, ouais. Tu te dis, bon, est-ce qu'il y a encore assez de place pour ça? Visiblement, bon, si vous avez fait le pari, toi et François, que, ouais, que visiblement, sans être téméraire et suicidaire, vous vous dites, non, regarde, il y a encore de la place pour ça, puis nous, on se sent assez jeune et fougueux pour continuer la route. Ouais, on l'a challengé. Puis là, on s'est assis avec des financiers, évidemment. Ouais. C'était une grosse transaction, faire ça. Desjardins et la BDC sont embarqués avec nous là-dedans. On a fait un plan d'affaires. Ça a été 6 mois, monter le plan d'affaires, le challenger sur tous les côtés, recommencer un petit peu, changer les données, les normes, les prévisions. Il y en a beaucoup qui nous disaient justement, qui essayaient de nous décourager, disaient, les gars, vous ne devriez pas embarquer là-dedans, faites, ouais, d'autres choses à la place. On a eu beaucoup de téléphones pour s'associer avec d'autres gens ou aller travailler ailleurs. Nous autres, on croit vraiment en Maison Étier, au projet qu'on avait. Les banquiers ont dit oui, le projet est viable et même, plutôt que juste reprendre ça, on voit une expansion. Mais c'est un peu comme l'épicerie, je veux dire, les gens auront toujours besoin de meubles. Oui, oui. Bon, après ça, c'est comment on l'achète. C'est ça. Bon, moi, demain matin, j'ai besoin d'un Lazy Boy, j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'un grand divan. Bon, peu importe ce que j'ai de besoin, mais... Oui, je peux aller me promener sur le web, je peux peut-être aller magasiner en ligne un peu, voir des trucs, mais
une fois que j'ai fait ça, ultimement, si je veux m'asseoir dans le lazy boy, il faut toujours bien que j'aille en magasin m'asseoir dedans. Oui. Bien, le défi pour nous, c'est l'expérience. C'est l'expérience que les clients vont vivre à l'intérieur. C'est ça qui est le gros changement. Avant, on mettait des meubles avec des conseillers pour répondre. Maintenant, il faut faire vivre une expérience. Il faut dire aux gens, si vous venez en magasin, vous n'allez pas juste voir des meubles. Vous allez vivre une expérience différente. C'est pour ça qu'on entre toutes sortes de choses. On fait des démonstrations culinaires. On amène des designers, des chefs de couleurs, des coloristes qui vont venir, des artistes qui font des toiles en temps réel sur place pour pouvoir justement vivre quelque chose. Pas juste venir en magasin et dire « j'ai acheté quelque chose », mais dire « j'ai été chez Maison Etier et j'ai vécu ça, j'ai vu ça ». Dans nos barbecues présentement, on est en train de faire creuser une piscine à l'intérieur. Pourquoi on fait creuser une piscine? Parce que les gens vont voir dans leur environnement, comme ils le rêvent, leur barbecue placé là, leur chaise longue, leur set de salon extérieur. De plus en plus, on vit à l'extérieur. On a dit, parfait, faisons vivre le rêve. Il faut que les gens le voient, puissent le toucher, le sentir, le filer. Les meubles, c'est un tissu, c'est un cuir, c'est un bois. C'est des matériaux qui sont encore vivants pour la plupart. Les voir sur Internet, c'est une chose, mais les toucher. Les assises sont tous de différentes longueurs, largeurs, les conforts aussi. Les voir sur Internet, ça ne nous permet pas de faire ça. Fait que moi, je crois encore que les gens ont le besoin pour un bien durable. Il ne reste pas beaucoup de biens durables encore. Hein? Des électroménagers, des meubles, 5, 10 ans, 15 ans qu'on garde ça. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qu'on achète et qu'on va garder aussi longtemps que ça. Donc, c'est un achat qui est réfléchi. Prends le temps de bien l'essayer, de s'asseoir dedans, de le toucher, parce qu'on va l'avoir longtemps après ça. Bon, là, évidemment, Maison Etier, depuis plusieurs années, vous êtes situé à deux endroits. Bon, ici, on le connaît, en face du Collège militaire, mais vous avez aussi à Saint-Basile-le-Grand, et c'est comme une mini-ville, parce que c'est énorme, c'est des milliers de pieds carrés. Est-ce que pour vous, ce fonctionnement-là, à Saint-Basile et Saint-Jean, demeure encore la recette d'avenir? On garde les deux. Ouais. Les deux vont continuer de s'appeler Maison Etier. Maison Etier va se transformer quelque peu. Donc, on va aller chercher encore un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on a là, de par l'expérience qu'on a déjà. Mais on va ouvrir quatre autres maisons Etier. Pour vraiment ceinturer l'île de Montréal. Présentement, quand on annonce à radio montréalaise, bien, on paye pour la grande région. Les gens ne magasinent plus comme avant. Les gens de Laval ne viennent plus ici. Les gens de Montréal ne viennent pas à Saint-Basile non plus. Donc, la proximité du commerce, on le magasine en ligne, mais on cherche quelqu'un à proximité. Je suis dans l'obligation d'en ouvrir à d'autres points du Québec. Oui, absolument. Et quand on parle donc de quatre nouveaux magasins? Oui. Quatre nouveaux maisons Etier. Puis on veut ouvrir une nouvelle bannière aussi qui va être plus type outlet. Plusieurs manufacturiers québécois qui recommencent à produire. Je suis très heureux de tout ça dans le domaine du meuble. On a encore beaucoup de manufacturiers qui sont ici. Le dollar canadien étant bas, c'est plate pour ceux qui voyagent. Mais pour ceux qui exportent, c'est extraordinaire. Et ces projets de nouvelles bannières ou de quatre nouveaux magasins, sur le plan géographique, vous les voyez où dans cet avenir-là? Rive-Nord de Montréal, l'ouest de la ville de Montréal, région de Gatineau, puis Trois-Rivières, ces choses-là. OK. Donc, vous allez devenir un joueur, je présume, qui va être aussi un peu agaçant pour la compétition dans ces marchés-là, forcément. Là. On ne le regarde pas comme ça. On le regarde plutôt ce que nous autres, on pense ça, faire. Je comprends, mais vos compétiteurs, eux, ils trouvent... Moi, je me mets à la place de vos compétiteurs qui disent « Bon, mais là, regarde, Maison Etier, ça en vient, ça arrive nord. On entend beaucoup parler. Ben, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens établis déjà dans ces régions-là qui m'appellent pour dire « Écoute, si tu voudrais prendre le mien, si tu voudrais faire quelque chose avec moi, c'est normal. » Faut toujours voir, là, on ferme la porte à rien. Mais notre plan est établi avec le modèle d'affaires qu'on veut emmener là-bas. Sur un échéancier de combien de temps? Dans combien de temps vous voyez l'ouverture de ces magasins-là? Laval en 2017, d'ici la fin 2017. Donc, c'est très rapide. Ouais. On vient juste d'acheter les deux magasins Maison Etier. Ils sont en pleine rénovation, les deux en plus. Mais celui-là est pressant pour nous. Il est vraiment pressant. OK. Mais ça vient changer la donne. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que le déplacement du consommateur, il a changé dans la région métropolitaine. Totalement. Et même, on voyait la semaine dernière, on recevait les gens du développement économique de la ville sur l'étude sur les fuites commerciales. Oui. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y a à peine 10 ans, 80 % des gens de Saint-Jean, parfois, allaient magasiner à Montréal.
c'est fini, ça. Ouais. Les gens, ils traversent plus le pont pour aller magasiner, même pour se divertir. Ouais. Ils arrêtent à Brossard, puis ça finit là. Totalement. Donc le comportement, le déplacement des consommateurs a changé. Oui. Bien, nous, on le voit même avec nos deux magasins présents. Les gens de Saint-Luc, par exemple, la région de Saint-Luc où j'habite, ils magasinent à Saint-Basile. On essaie d'envoyer la publicité pour le magasin de Saint-Jean, les tirer à Saint-Jean, et ils ne vont pas à Saint-Jean, ils vont à Saint-Basile. Directement. Il faut le comprendre aussi. Moi, venir à mon magasin de Saint-Jean ici, des fois, ça me prend 22 minutes, 23 minutes, 25 minutes. Saint-Basile, même chose. Ça fait que des fois, on ne laisse pas le choix. La circulation en ville, passer à travers la ville, des fois, c'est un petit peu plus long. C'est pour ça que, tu sais, regarder un magasin à Laval, puis dans l'ouest de la ville, traverser l'île de Montréal, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on est obligé d'ouvrir des magasins, des pôles succursales, à ces endroits-là. Mais en même temps aussi, puis là, c'est le consommateur qui parle, pour avoir acheté dans vos deux magasins au cours des 25 dernières années, c'est sûr que si on va à Saint-Basile, évidemment, comme le magasin est trois fois plus grand, bien, c'est sûr qu'on voit trois fois plus d'affaires. Oui, oui. Bien, Saint-Basile est le plus grand magasin au Canada. Ouais. Il faut se dire ça. On est chanceux d'avoir ça, qui vient de Saint-Jean, qui est dans la famille ici, un magasin comme ça, parce que ça ne se voit pas ailleurs au Canada. Pour tous les gens, pour tous les fournisseurs qui sont... Danois, qui sont Italiens, qui sont Californiens, quand ils viennent voir ça, le résultat, c'est toujours « wow, qu'est-ce qui se passe là? » Bon, acheter des meubles aussi, parfois, ça dure longtemps, donc c'est des biens qu'on conserve plusieurs années, mais évidemment, ce sont des transactions qui parfois montent à plusieurs milliers de dollars, selon ce que l'on achète. Moi, il y a un propriétaire de magasin de meubles qui m'a déjà dit un jour, « si je n'avais pas le financement acheté maintenant et payé plus tard, j'aurais de la difficulté à rentabiliser mes ventes annuellement. » Est-ce que pour vous qui vendez donc des biens quand même, je ne dis pas nécessairement de luxe, mais dans certains cas, oui, ça peut l'être. Oh, ouais. Est-ce qu'effectivement, l'offre de financement aux clients devient quand même un incontournable pour terminer une vente? C'est un service parmi tant d'autres. Tu sais, les cartes de crédit, les marges hypothécaires, les marges représentent chez nous 65 de la façon de payer. 65? Donc, les gens paient eux-mêmes avec leur propre crédit? Souvent, très souvent. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les acheteurs de plus haut de gamme vont aller chercher leurs points sur leur carte. Pour eux, c'est très important. Mais le financement reprend position. Quand j'ai commencé en 94, on faisait beaucoup d'annonces avec des prix financés, tant par mois. On avait arrêté ça tranquillement, mais c'est un retour en force. Je dirais depuis deux ans, on voit ça beaucoup, beaucoup. Ce qui permet aux gens de s'acheter donc du mobilier, mais évidemment de pouvoir le financer sur quelques années. Oui, de le mettre là-dessus parce qu'il garde à long terme. On est la seule province où on ne peut pas le mettre sur notre hypothèque, hein, en passant. Plusieurs provinces ailleurs, ça se met sur l'hypothèque. C'est ça qu'on voit souvent dans les films, des gros frigos encastrés, des cuisiniers encastrés, parce que c'est vendu avec la maison. Donc, on ne le déménage pas, contrairement à nous ici. Donc, évidemment, comme vous travaillez dans ces magasins-là pour la bannière Maison Étier depuis plusieurs années, vous connaissez le modus operandi de Maison Étier, vous connaissez l'industrie, vous connaissez les tendances de l'industrie. Donc, pour vous, vous n'avez pas trop le vertige aujourd'hui de vous embarquer dans un projet quand même très, très, très ambitieux. Oui. Non, on n'a pas le vertige, on avait plutôt hâte. Ça faisait déjà 5 ans qu'on travaillait sur le projet. On avait vraiment hâte. Une fois que tu es arrivé dedans, tu ne réalises pas vraiment non plus. Puis là, tranquillement, ma blonde a dit, « Je te vois moins encore que je te voyais avant. » Mais oui, c'est beaucoup de travail. Puis quand on aime ça, on ne voit pas les heures passer. Sylvain Bonneau, merci beaucoup. Puis meilleure des chances. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour de la pause, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Crépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club International 2000 et on jase des Canadiennes. Avec Sophie Brault, des Canadiennes de Montréal. Ne manquez pas ça. Coulisse bêta,
jeudi 19h. Parlons des enjeux du comté fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes avec le député Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il y a un dossier, je sais qu'il vous était très cher du temps, vous étiez député à Québec, c'est le prolongement de l'autoroute 35. Évidemment, je me dois d'en parler pour deux raisons. Un, on l'a vu à la une du Canada français, où malheureusement, il semble que le gouvernement du Québec n'ait pas réservé d'argent, à tout le moins pour la prochaine année, pour le prolongement. Mais en même temps, et curieusement, c'est que le gouvernement fédéral que vous représentez a offert de payer une partie de la facture. Oui. Et il y a eu le plan du ministère des Transports. Quand j'ai vu la nouvelle, évidemment, j'ai eu une certaine inquiétude. J'ai dit le projet a été remis. Mais j'ai recontacté au ministère des Infrastructures et ce qu'on me dit, les négociations entre Québec et Ottawa continuent. Donc, on a divers programmes à Ottawa et aussi, il y a divers programmes. Et l'espoir que j'ai, c'est qu'on va avoir prochainement deux budgets. Donc, je pense qu'il y a encore une poire et une porte où est-ce que ce projet-là pourrait être annoncé. Parce que dans les démarches que j'ai faites, en outre, j'ai rencontré le premier ministre du Québec qui en a montré un très grand intérêt. Très grand intérêt parce qu'il veut terminer cette voie commerciale. Mmh. Mais on se rappelle aussi pourquoi le fédéral était intervenu dans un premier temps lors de la première phase. C'était d'assurer une voie sécuritaire. Ouais. On l'a vu dernièrement au mois de janvier, il y a eu un incident de terroristes à la frontière à la colle. Ouais. Donc, la voie de contournement se trouve être la 35. Donc, c'est encore aussi pertinent. Donc, pour vous, il y a comme une pression qui est naturel de la part d'Ottawa de dire à Québec, écoutez, il faut terminer ce tronçon-là parce que l'exemple de la menace terroriste, là, de l'appel qu'on avait à Saint-Bernard-de-la-Colle vient prouver, dans le fond, une fois de plus, que c'est important d'avoir une alternative dans le lien Canada-États-Unis. Oui. Donc, l'aspect sécuritaire, l'aspect commercial. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un engagement électoral du gouvernement de relancer l'économie avec des nouvelles infrastructures. Et donc, ça va dans cette approche-là. Et c'est pour ça qu'on a donné un délai au gouvernement provincial, parce qu'on veut que les travaux se fassent maintenant. Et quel serait, dans quel ordre serait l'aide fédérale pour le prolongement de la 35? Présentement, c'est 50 % qui est sur la table. Oui. Quand même bien. C'est... Donc, si Ottawa dit à Québec qu'on est prêt à payer 50 % des coûts, c'est quand même un incitatif qui, en principe, devrait être intéressant. C'est ce que l'on croit et c'est pour ça qu'il y a encore des négociations entre le fédéral et le provincial. Encore, c'est les informations que j'ai de la semaine dernière. Bon. Parlons des dossiers de défense nationale. Bon, d'une part, vous avez été nommé secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Évidemment aussi, on le sait, dans le comté, il y a beaucoup d'installations de la Défense nationale avec la garnison, la base et le collège militaire. Est-ce qu'il y a des développements particulièrement concernant ces deux dossiers, la garnison et le collège militaire? Bon, on sait que le grand projet, c'est le retour de la formation universitaire au collège. Donc, ça, c'est une première. On a vu qu'il y a une infrastructure aussi qui est en construction à la garnison, la clinique médicale. On parle de plus ou moins 20 millions. Donc, je pense que ces deux projets qui sont importants. On a vu aussi à la base une augmentation de formation d'officiers. On est passé de 4 500 à 5 000. Donc, c'est 5 000 personnes. Et je pense qu'à la dernière émission, je vous disais, quand je suis à Ottawa, rares sont les militaires qui sont pas venus à Saint-Jean faire une formation. Donc, je dois être un des seuls députés que tous les militaires connaissent le comté. Et dans quel délai ou quel est l'échéancier que le gouvernement se fixe pour ramener une formation universitaire au Collège militaire Saint-Jean? Il y a deux scénarios. Il y a un potentiel pour 2017, septembre, mais ou sinon 2018. Donc, les deux scénarios sont présentement potentiels. Bon. Une autre installation fédérale importante dans le comté, mais dans la ville, c'est le centre de recherche qui est tout juste à côté du cégep Saint-Jean, que vous avez vous-même visité là, récemment. Quelles ont été d'abord vos premières impressions quand vous avez visité le centre et qu'on vous a expliqué un peu ce que ces gens-là font au quotidien? Oui. Un, c'est les installations physiques sont impressionnantes. Oui. Mais surtout,
la qualité des chercheurs qui sont là, des équipes, parce qu'on sait que le nombre a augmenté. Il y avait eu beaucoup de coupures à l'époque du gouvernement conservateur. Les équipes s'étaient passées de 13 à 5 et c'est revenu à peu près sensiblement le même. Donc, je pense que pourquoi j'ai pris le temps de visiter l'ensemble des institutions fédérales, il y a probablement, principalement avec le Centre d'horticulture, je pense qu'il pourrait y avoir une plus grande diffusion dans la région, plus de collaboration quand on parle des entreprises, de démarrage d'entreprise, start-up ou incubation d'entreprise. Je pense qu'il y a un lien qui pourrait être développé davantage. Et surtout, on sait que les installations sont près du cégep, avec le retour du collège universitaire. Donc, je pense qu'on commence à avoir un haut lieu de savoir à Saint-Jean, mais il va falloir que tous ces gens-là travaillent ensemble, qu'ils travaillent moins en silo. Bon, autre installation fédérale d'importance liée évidemment à Parc Canada, la bande du canal, bon, qui, on le sait, ultimement, Parc Canada a eu une entente avec le MTQ concernant le pont Gouin, parce qu'il y a quand même la voie navigable. Il y a aussi les installations du Fort Lennox à Saint-Paul-de-l'Île-Aulnois. Est-ce que vous avez des enjeux particulièrement dans le cas de Parc Canada là, pour la prochaine année? Bon, vous avez parlé du pont. Du pont, oui. Le gouvernement fédéral a investi près de 23 millions de dollars pour ses installations, 32 millions pour la bande du canal. Et il est fort possible qu'on ait des annonces prochaines pour le Fort Lennox. Il y a eu des travaux qui ont été faits jusqu'ici, mais on va voir au prochain budget. J'ai espoir qu'on va avoir une annonce importante pour le Fort Lennox. Bon. Vous avez également été nommé porte-parole du caucus québécois du Parti libéral du Canada sur l'innovation et le développement économique. En quoi ça consiste et quels sont les enjeux pour nous, soit au Québec ou encore ici même dans le comté? Oui. Comme vous savez, j'ai déjà été vice-président du CAE ici et aussi président du Centre technologique. Et la dynamique que vit Saint-Jean, on la retrouve à l'ensemble du Canada. L'organisme a eu, il y a 30 ans, des fonds de capitalisation. Par la suite, ils ont reçu, je prends l'exemple de Saint-Jean, pour leur fonctionnement, pour les trois prochaines années, ils ont eu à peu près plus ou moins, un petit peu plus qu'un demi-million de dollars pour le fonctionnement. Sauf que les centres qui ont été très dynamiques, comme Saint-Jean, principalement construction de trois incubateurs, un centre d'innovation, du mentorat, formation auprès des jeunes entrepreneurs, ont pris ces sommes-là et ont fait des projets spécifiques. Sauf qu'aujourd'hui, de pouvoir fournir du capital de risque, il n'y en a plus de disponible. Donc, présentement, avec le ministre, la discussion qu'on a, est-ce qu'il ne pourrait pas investir soit dans les incubateurs, soit dans les centres d'innovation? Et à ce moment-là, les centres d'aide aux entreprises pourraient retrouver leur capitalisation pour aider au démarrage d'entreprises dans du capital de risque. Et jusqu'ici, ce qui est extraordinaire, c'est les CAE ont eu, même si c'est du capital de risque, ont eu très peu de pertes. Sinon, je dirais le contraire, ont réussi à aller chercher du rendement. Bon, parlons d'emploi d'été, parce que forcément, ça va venir. Là, les jeunes vont commencer à regarder ça prochainement. Quelle est l'implication du gouvernement fédéral à l'égard de l'offre d'emploi d'été et des programmes disponibles? Bon, ça va ressembler à l'année passé, c'est-à-dire près de 630 000 pour plus ou moins 250 emplois. Ce qui est le double. Quand on est arrivé, le gouvernement est entré en place, on se souvient qu'un des engagements de M. Trudeau, c'était d'aider les jeunes. Et ça, ça en est un exemple. On a doublé les sommes pour les stages d'été et en même temps, on a doublé les emplois. Donc, ça permet aux jeunes d'aller chercher une formation, une expérience pour intégrer plus facilement le marché du travail. Et on l'a vu aussi dans divers programmes qu'on a fait de compétences avec Carrefour Emploi, avec le DOM. Donc, ces gens-là, on les aide à réintégrer. C'est près les programmes de carrière compétences, c'est près de 5 millions de dollars qu'on a investi dans la région pour l'intégration au marché du travail de nos jeunes. Bon, entre autres, vous parlez de l'aide financière au Carrefour Jeunesse Emploi pour le programme Mon diplôme en poste, entre autres. Au niveau communautaire aussi, il y a eu quand même quelques aides financières au centre communautaire Sabrevoix, également du côté des aînés à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.
pour les jeux d'échecs. Exact. Donc, il y a aussi cette implication-là de la part du député au niveau des organismes. Exact. Puis on peut rajouter aussi l'ACOL, le centre communautaire, donc l'adapté pour les personnes qui vivent des déficiences physiques au monde. Dernière question, parce que vous l'avez dit tantôt, il y a un budget à Québec, mais il y a un budget également à Ottawa là, qui va être présenté très prochainement. Évidemment, on ne peut pas dévoiler tout le contenu, mais à quoi les Canadiens doivent-ils s'attendre de la part de ce budget-là? Quelles sont les attentes que vous avez peut-être vous-même au caucus actuellement là, du parti? Ça va être dans la continuité. Ce qu'on a présenté aux Canadiens lors de la dernière élection, c'est qu'on voulait créer de la croissance économique. On a pris deux moyens. Le premier, c'est d'aider la classe moyenne et ceux qui veulent en faire partie. On a diminué les impôts de la classe moyenne, ce qui a permis à 900 000 Canadiens de payer, 900 000 familles de payer moins d'impôts. Ouais. Et aussi l'allocation canadienne pour enfants. Si on regarde juste dans le comté de Saint-Jean, c'est 5,7 millions de plus que reçoivent les familles par mois. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et surtout, à l'échelle canadienne, on a sorti 300 000 jeunes de la pauvreté. Et le deuxième volet, évidemment, les infrastructures, de relancer l'économie. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que la 35 peut être réalisée. On a hâte de voir ça. Je pense que j'ai plus hâte que vous encore. Monsieur Rio, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de préparer la prochaine rencontre des arts prévue pour l'automne 2017. C'est la Coop Artaud là, qui l'organise depuis quelques années. Donc, les artistes sont conviés à s'inscrire dès maintenant. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre traditionnel télé-bingo, toujours à 9h30 en direct au câble 09 avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000 $. Il y a surtout 30 dépositaires dans la région où l'on diffuse pour acheter vos différents livrets. Pour avoir la liste, vous allez sur www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.